Seigneur Jésus-Christ a pas pour la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est béni abondamment. Et nous allons pour rendre grâce et pas naïf. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Parce que à ces pays, on a eu pour se déplacer pour un culte. Parce qu'il y a plus que nous puissions nous déplacer pour le culte. À ta jour, les alliés à la pluie. Même si le jour était lié à la pluie. À pessimiste au tango, toya, dès que nous allons pour rendre grâce et pas naïf. Il nous a donné ce temps de venir, c'est pourquoi nous lui rendons grâce. Et il veut que les âmes aient la campagne matin. Nous savons que le Seigneur n'appelle pas en vain. S'il t'appelle, il a quelque chose à faire avec toi et avec ta famille. Donc, sache que tu n'es pas venu à la rencontre des hommes de la terre qui pourraient te promettre. Mais a changé la dernière minute. Mais il change la vie à la dernière minute. Je crois en Zambé. Mais chez Dieu, il dit la chose à lui. Alors, à taper nos époquis, ça. Il leur donne ce qu'il existe. Après ça, il dit le pays à l'issage. Au cas là, qui s'il promet, et ça. Et c'est là, ça conduit. Ouais, Zali Zambé à bon oeil. Parce qu'il est le Dieu vivant. Donc, il faut aller considérer tant au mieux ce qu'on est là. En tout à considérer sa grandeur. Et si tout c'est qu'en Zambé, que l'œuvre, on savait qu'à la croix. Et ceux qui vont demander à Dieu que l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Et ça l'a effectif, tant que ça l'a vie dans la tête. Puisse être une vie en toi. Le cola, il est sur l'homme qui. Comme Jésus-Christ avait vaincu. Et l'homme à l'icolo, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni. Que la victoire sur les mauvais esprits puisse se manifester aussi dans la vie. Nous allons faire maintenant devant les impudicités. Que je ne sois pas faible devant les impudicités. Devant l'orgueil. Les bossus à l'orlando. Devant l'argent. Les bossus à l'orgueil. Devant toute nature où ils avaient démoniaque. Et devant toute nature des démons. Non. Nous allons esclaves dans l'autre. Que je ne sois pas esclave de ces choses. Wana, tant aux autres, que la victoire dans l'autre. Et lorsque tu vis la victoire sur ces choses, on dit que Christ est mort pour moi. Et si tu sais que Christ est mort pour toi, c'est la vérité que je crois. Les amis, solo, il est mort pour toi. Pour apprécier la victoire, Nicolo, n'a péché. Parce qu'il t'a donné la victoire sur la vie du péché. Et c'est ça la plus grande des choses. Il y a mon échec, il y a mon élément pour le temps. Lorsque nous venons, c'est pour devenir meilleur. Parce que là, comme tout y a pour la bisso, ils alignent au centre. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est la sainteté. Alors, soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Vous allez la sainteté, le bon attentat, la vie de Nicolas, ça nous semble. Il faut cette nature et la sainteté, ça va mal dans ta vie. Il faut que cette nature soit dans ta vie. Pour ça, pendant la vie, dans le il ne faut pas jouer avec ta vie. Il faut bien vraiment dans ta récréation. Tu vas sortir dans la récréation. Dans la vie avec l'impudicité et avec le désordre. Dans toute vie, l'impudicité et le désordre. Bien. Sors vraiment de chacun. Il n'y a pas un autre bon salut. Pour ton salut, c'est la sanctification. Et ça dit qu'au bout, il s'en sort. Il n'y a pas d'autre chemin de faire. C'est seulement fuir le péché. Le Seigneur ne va pas inventer un autre chemin. C'est seulement que tu vives la pureté. Ne pense pas que le Seigneur va comprendre ton vie. C'est lui qui a refusé les balances de deux poids de vie. C'est lui qui les a refusés. Toute personne va appliquer la parole telle qu'elle dit. Il demande que quelqu'un puisse s'humilier devant la parole. Afin qu'il y ait à élever autant convenable. Afin que nous puissions élever autant convenable. Donc, m'y battez-la vraiment dans la vie à sainteté. Garde-toi vraiment dans la vie de la sainteté. Témina yo et talisa. Reflète l'enseignement. Que ta tenue puisse refléter l'enseignement que nous prêchons. Ici, quand nous sommes occupés aux arbres, partout où tu pourrais te retrouver, ta mise enseignement. Montre, manifeste l'enseignement. Il faut dire que si c'est terre, nous devons savoir que sur la terre, nous ne sommes pas les premiers habitants ici sur les soleils. Beaucoup nous ont précédés. Ils sont aussi passés. Les arbres à la carte. Mais le Seigneur demeure toujours. Comme il tourne là. Et cela devient ton tour aussi. Mais là, pour la rosa en naissance. Mais quand tu as une date de naissance, il y a une vie où il a la chair des âmes. Il y a aussi une fin de ta vie dans la chair. Zoa vina yo, ou kabelamo, vraiment Christ Jésus. Et prends ta vie, offre-la au Christ Jésus.
Vous avez qu'il y a une vie à des autres, bima vraiment. Sors dans la vie des autres là où tu étais. Bima. Sors vraiment dans cette vie. Il faut qu'Atinaïo vraiment ait pu sa gloire dans la vie. Il faut que ton intérieur puisse donner gloire à Dieu. Vous avez qu'il n'a pas haine vis-à-vis à ma tour. Tu avais des haines vis-à-vis des gens. L'homme. Quitte dans cette vie les haines. Cultiver l'amour. Oh, et ma colonne n'a pas l'imo. Cultiver le pardon. Attache fortement à une vie à pureté. Attache-toi fortement à la vie de la pureté. Même dans ton maison. Attends-moi. Même si tu as une fillette, apprendre que Balataka qui t'emballe dans ma douceur. Apprends-la comme une femme se voit la tête lorsqu'elle brille. Oui, dans une église. Tu l'amènes à l'église. Bon, qui sera et l'eau pour et au col, il s'est dans le. Il faut lui préparer la chose qui va faire en sorte qu'elle puisse bien grandir. Dans zone de la papa, dans le bagatan, on y a ce qui est ma robe tricot, ma jupe tricot. Je réponds à tout moment que les robes qui servent le corps et les jupes qui servent le corps ne sont pas pour les enfants de Dieu. Il faut que les biologues soient là et ça les met dans l'industrie avant. Nous savons que toutes ces choses sont fabriquées dans les industries des hommes. Avec objectif. Il y a des choses aussi qui sont fabriquées avec objectif. Pour te combattre, toi, sainte de Dieu. On a beaucoup dit ça, on est à moi si on t'appelle. Les amis. Donc ces choses-là, c'est comme ça. Alors, certains qui partent, ils passent les millions pour nous sont dans ma ministère, ils sont aussi des saints comme toi. Mais pense-moi que ces gens-là, des industries, des hommes, sont nos frères. Non, parce qu'on formule, ma forme, il y a ma millions qu'on est qui va cotiser. Lorsqu'ils conçoivent des choses qui vont tisser pour les gens, il y a aussi d'autres couturiers. Il y a aussi d'autres couturiers qui ne sont pas bons. Ils ne cherchent pas seulement l'argent. Ils ont aussi pour séduire le monde. Ils cherchent aussi à séduire le monde, bien aimé. Donc il faut pas que vous en amokili, mais vous en amokilité. Tu vas savoir que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et le connu se pose ça là. Alors, pour utiliser chaque chose, la façon est conforme à la parole. Il faut regarder si elle est conforme à la parole. C'est très important. Et ça n'est pas tout à ma casse. N'importe qui t'aime. Tu n'es pas n'importe qui, bien. Comment la tête est ton père dans votre université? Il ne faut pas voir comme si tu es semblable à tout le monde. Toi, tu es un fils de Dieu. Mon père, il n'y a pas ma tête. Tu n'es pas n'importe quel homme. Le roi de ce monde a des mandats. 5 ans, mandat de 7 ans, c'est la première année. Mais toi, tu es l'enfant du roi éternel. Jérémie 10, s'appelle le roi éternel. Donc, il est en réalité, il est né à l'ongi du roi. Donc, en réalité, c'est lui qui a vaincu la mort. Donc, il pèse vraiment valeur. Donc, toi, vraiment, et la valeur de l'enfant de Dieu. Aux âmes, il y a des autres. Dimanche. Sors par la vie des hommes si tu dirais. N'a expliqué qui vino que dans la Bible le dit que si tu as obtenu ma tante, mais c'est mignon qui vous conduit. Je vous avais expliqué quand la Bible dit là où tu poses la plante de tes pieds, c'est là tes données. C'est Josué 1, verset 3. Dans Josué 1, verset 3. Et t'as dit ça en réalité, oui. Qu'est-ce que cela représente? Tant que ma personne qui Josué qui vous conduit, si tu as qui m'attendait, parce qu'abondant qui compte les ennemis à l'homme. Lorsqu'on avait donné à Josué la domination, il avait posé la plante de ses pieds, il avait vaincu les ennemis en ses mains. Donc, Ezanet, tu continues la ville. Par exemple, tu entres dans une ville. Il y a des esprits qui dominent la ville. Ezanet, la ville, il y a des amis au côté de Mbaba. Mais tu es dans la ville à Kisangani. Par exemple, ici, dans la ville de Kisangani. Les impudicités, ça comme laisser passer. Donc, les impudicités, ça comme les laisser passer. C'est ça normal. Donc c'est normal. Le comportement des gens. Mais partout aussi, qui même qui chasse en même main. Et partout aussi à qui chasse en même main. Les impédicités sont des géants là-bas. Tous mes amis, dis-moi un big là, il y a un casse. Bah orgueil, l'olendo. Donc, natir nyon soya ba, ok de konta kanaba. Otaï sa babino konaba ngamba. Toutes les natures là d'aller. Chez les féticheurs, oui, bien les charlatans aussi. Chez les charlatans, ce sont des choses qui dominent. Et ça, tu l'as pris à l'île au compte de Et légèreté, non, soit. Et toutes ces formes de légèreté. Dans ta territoire, et dans des territoires, difficile au monde à mon
vierge. Et c'est de voir une maman élever une fille vierge dans la vie. Maintenant, il faut dominer. Maintenant, toi, tu dois dominer ces esprits. Donc, il faut ta vie, ta maison, elle vivre au-dessus de ma camboa. Il faut que ta maison vive au-dessus de toutes ces choses. Ce qui vit, ça remballe dans le football. Si la ville est emportée par l'esprit de Dieu, il y a un tango. Toi, tu dois piétiner, fouler. Ça lève ma parole, ça va me la gauche, gauche, ou tout. Lorsque les gens suivent le match, nous entendons dans Matthieu 5. Toi, tu lis le livre de Matthieu. C'est ça, vous avez la domination. C'est ça, tu as la domination. Tu comprends la domination dans les années. Comment est-ce que tu comprends cette domination? On doit s'emporter dans la mission, et donc, c'est très léger. Tu t'emportes dans les choses très légères. Donc, notre famille dirige, dirige. Tu es en train de débattre sur les dirige, dirige. Le Seigneur va guérir à la crise, dirige. C'est vraiment comme le monde aussi le fait. Il faut chercher à dominer toutes ces choses. Ta vie est différente là-bas. Et ta vie soit différente à celle de tes contemporains. Sodome avait une impudicité, ma caisse. La ville de Sodome avait vraiment cette nature de l'impudicité. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 24. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 24. Ce qui a été au temps à Sodome. Oyo ezalaka na tango ya Sodome arrivera de même au temps du fils de l'homme. Et comment taper na tango ya mwana moto na tango ya Sodome moi sinon moi si babou kobala bitan de Sodome la femme et la femme pourraient se marier. Mobali mobali babou kobala les hommes entre eux pourraient aussi se marier. Tozongango wapi où est-ce que nous le prenons tango tozomona les deux hommes bakota ki epai ya l'autre. Lorsque nous voyons les deux hommes étaient venus visiter l'homme. Alors ma jeune garçon et la ville, les hommes de la ville, Baye et pas l'autre. Ils sont venus chez l'autre. Fais-nous sortir les hommes qui viennent d'entrer chez toi. On est très bas. Qui puisse se connaître comme se connaissent l'homme et la femme. Voilà cet élément là. C'était la nature, la vie de la ville. C'était la nature de la vie de son homosexualité. Au sein d'un animal inanimal. La Bible le dit dans 2 Pierre. L'Écriture les hommes dans 2 Pierre 3. Maintenant, l'Écriture dit dans 2 Pierre chapitre 3. Ils ont dit ça d'abord que l'homme appelé l'autre. On te l'a même dit à quoi l'autre. Azala qui tourmenté dans ma caméra. Il y a tout qui s'en va qui dans ma caméra. Donc, l'autre a compris ça. L'autre ne pourrait pas être là. À mon une fille, il y a qui jupe et collée dans l'autre. Il voit une fille porter une jupe qu'il sait. Avec un pas tourner, mis sur son table. Et puis c'est passé, l'autre se tourne pour regarder la fille. À mon une fille, il y a qui jupe par mon coussin et par cuisses et son âme. Il voit une fille porter une jupe qui l'expose les cuisses. Il n'est pas un laïcain. Et lui aussi, il met des jeunes. Et ça, il faut tourmenter ma nature. Et c'est là toute cette nature de sodomie de tourmenter Jésus. Alors, il en sera de même au temps de fils de l'homme. Et dans le fils de l'homme, c'est aujourd'hui. Tant qu'on moi, on a montonné les lots. Lorsqu'on parle du temps du fils de l'homme, le fils de l'homme, il est le juge. Moi, j'ai abandonné mon sang ici. Mais le bas au sang de sa église. Aujourd'hui, il juge son église. Pour ton sang de sa matin et le monde à mon qui. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et ça veut dire l'homme normal, c'est pas l'homme normal. Adam et la famille n'a été dans la cabane. Il ne blâme pas sa femme au milieu de sa famille. Adam et la famille n'a été ni banda. Et non plus en public devant tout le monde. Non. N'ami son patron, tout va bien. En public, il dira que tout va bien. Azan a il faut pas résoudre dans la chambre. Il a des choses qu'il doit résoudre en chambre. Avec c'est ce que Dieu fait. Il y a d'autres qui sont venus à ce soir. Pour ça, il y a des gens qui sont venus à ce soir. Ça va du tout. Il ne fera pas que nous, sa femme, puissions participer à ce soir. Il nous met à part. Mais non, il y a ce qu'on dit ça. C'est aujourd'hui qu'il est en train de nous préparer. Pour s'occuper du monde après. Il va s'occuper du monde après. Parce que nous sommes sa femme. Parce que nous sommes son épouse. Et c'est ça, 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 32. Donc c'est que, c'est-à-dire, ce qu'on a mis aux âmes en domination, si tu affirmes chez moi, quand on est au sein de la ville, sur tout ce qui se passe dans la ville, il faut ta vie et témoigner la parole. Et c'est que pour moi, on a eu tant de la vie. C'est très important. C'est très important, bien. Aux âmes en chemin, nous sommes soutenus au plus de
Nous n'avons pas un autre chemin. Le vrai chemin, c'est Jésus. Avant que Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est un seul esprit, seul va qui a sali, c'est là pour moi, il paie seul. Et ça, c'est le seul. C'est la parole. Il faut qu'il si tu sais qu'il y a un péché qui te retient en toi, débarrasse-toi. Ni le mot-là, la date, ça va sous moi. Débarrasse-toi. Le mot-là, il y a des masturbations. Et ça soit des masturbations. Il y a des impudicités. Il y a un mot d'oumba. Débarrasse-toi. Le mot-là, il y a un mot d'oumba. Il y a la nature, il y a un mépriser l'enseignement. Le lègue à côté la qualité à côté. Parce que la toujours, parce que Santa Calibre, Aïe, sa voisine, il n'importe quoi. Non, pas aussi là, yo, maman. Parce que tant que se sont libres à vivre à leur femme que je vous aurai à retrouver Gaza libre. Il trouve qu'il est libre. Voilà, je vois d'ailleurs dans la santé. D'ailleurs, moi, je ne suis pas ministre. Ah, le bon santé, il est donc pour ça, la bouzoma. Donc, quand tu n'es pas serviteur, tu vas faire des bêtises. Dieu va t'occuper de toi. Ça va t'occuper de toi. Le Seigneur s'occupe pas de toi. On ne se moque pas de Dieu. Nous les reprenons à tout moment. Au moins que cette œuvre soit une œuvre de Dieu. Au moins que cette œuvre soit une œuvre de Dieu. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Moi je crois ça. Nous servons les dieux vivants. Nous sommes les Azabé à Moumou. Nous sommes les Moussala, les Atekouyo, Satana, la Congo, Azabé, la Macarte. Nous ne verrons pas ta meilleure affaire que tu te moques de Dieu là où tu es. Bah, tout va quand même dans ma pistole. On te trouve toujours dans le. On a pas se moquer dans nos frères, frère. On se moque de ton frère, frère. La même pitique. Et pas à Badouba. Dieu s'occupera de toi dans nos salons. Le Seigneur s'occupera de toi lorsque tu te passes. Parce que l'œuvre est l'œuvre de Dieu. Oui, elle n'est pas l'œuvre de Dieu. Nous servons le Seigneur, le Dieu vivant. Nous sommes ça de la main de Dieu à nous. Et ton ligne vraiment que. Et nous voulons vraiment bien aimer. Ton étoile. Que nous soyons enlevés. Parce que Paul a mis la main dans les ténèbres. Parce que Paul dit la main dans les ténèbres. Vous m'allez à partir du verset 23. À partir du verset 27. Jusqu'au verset 27. Allez, dit que Batounion se passe pour ton banc dans la stade. Tous ceux qui courent dans le stade. Baki Makana Lolenge va remporter le prix. Il court de manière à remporter le prix. A Ebisibiso, il nous exhorte que Bango va s'imposer à toutes sortes d'abstinence. Bango va nous péquissadana, nous péquissadana, nous les réunions. Quand nous avons formé un athlète, lorsqu'on forme un athlète, et pas il y a. Entraîneur, maïen, chez son entraîneur. Parfois, quand il sait éviter le bilipide. Parfois, il pourrait lui dire, évite le bilan. Éviter ma relation sexuelle. Évite les relations sexuelles. C'est pour ça que moi, sinon, tu as la gare à moi, c'est là. Si tu as ta femme, reste avec ta femme. Si pour ce que ça, un problème, ta compétition, c'est garder. Et surtout, si tu es devant une compétition, tu dois te garder. Donc, bah, au pays qui s'aille, ma biloko. On va lui interdire certaines choses. À s'abstenir dans mon pont à une couronne. Il s'abstiendra aussi et cela pour une couronne. Paul a dit que Bango va s'en dans mon pont à couronne corruptible. Et Paul dit qu'ils font cela pour la colombe à mon tour et pour les couronnes. Une couronne corruptible. Mais il a dit qu'ils sont dans la couronne. Mais on dit nous devons aussi le faire. Pour la couronne incorruptible. Pour la mon tour et pour qui vous même ça. Ils sont dans une pétition. Comment nous abstenir des impies. Sans les péchés, ça toute nature qui est contraire à la parole. Dans le réunion, ce sont les côtés de la vie. Votre soir, mon tonnerre à 5 ans à 5 ans. Afin que nous puissions remporter la couronne éternelle. A exhorter l'église à l'église, courez de manière à les remporter. Okima, dans le réunion, à Colombe, à mon tonnerre. Quand on a un frère au sein de l'église, cela ne suffit pas. Être seulement frère, prier ne suffit pas. Mais ça va dans le Seigneur. Parce que ça va dans le Seigneur. Ça va mon frère dans le Seigneur. Sois vraiment frère dans le Seigneur. Amen. Parfois, par contre, quand on a un peu de bouillie, on va trouver normal. Les gens pourraient te regarder, ne pas te dire, les trouvent normal. Bonjour, ça va ma belle. Et tu. Fait le mal, vous appelez Nakati Abatou, et Dieu aussi parmi les gens. Donc, ainsi, les gens laissaient passer beaucoup d'alors. Et tu penses que c'est les laisser passer pour entrer là-bas? Les gens, là, mon père, moi, qui est là, qui vous préparez, il y a seulement un seul qui avait dit, j'aimerais vous préparer. Ce n'est pas moi, ministre, qui l'a dit. Attends, là, justifié, on a le règne en même si moi, j'étais justifié à ma question, on a le règne en j'étais considéré à ma place. Mais là, t'es même là, qui vous préparez.
préparer place. Mais ce n'est pas moi qui étais allé préparer place. C'est lui qui est allé préparer place. Il sent de lequel il est. Il est venu lutter ici dans la taille. Il est venu déplacement dans une nuance. Il connaît tous tes déplacements. Et pas dans les secrets, dans la secrète. Chez lui, il n'y a pas de secret. David a remis l'absence 139. David dit l'absence 139. Seigneur, Golo. Tu connais lorsque je me lève. Et tu sais aussi quand je m'assois. Et il fait tant qu'on a zali pour femme. Alors la parole est venue dans le monde. Déjà, on est bien conscient. La parole n'est pas encore sortie de ma bouche et toi, tu la connais entière. Maintenant, moi, je me pose la question. Dans un exemple. Prenons par exemple. Au niveau de Misa, il y a un qui est insensé. Tu veux faire sortir une parole insensée. Il y a pas. Des paroles vaines de ta bouche. Pourquoi ça va permettre à moi pas. Pourquoi le Seigneur les permettrait-il dans ta bouche ou dans ta vie? Zamba est le Seigneur connaît tout ça. Analyse. Il faut faire des analyses. Zamba permet que nous connaissons et nous avons légèreté. Le Seigneur permet que ta bouche sorte de légèreté. Ok, par moi, si mon mot est utile. Et une fois que tu lui dis, Nanikio. Je t'aime. Avec Imaïevaka. Avant que ça sorte le Seigneur. Mais pourquoi en Akati Namataka? Mais seulement pourquoi en moi le Seigneur a dit. Tu vas plaire. Et c'est que nous, les Lakosan, ça fait. Et bien, nous tous, c'est tout du Mayamala. Donc, chez une autre personne, c'est la sorte dans un bon sens. Il fait sortir des bonnes paroles. Mais pas la Yusuf Mayama. Mais j'ai toujours des paroles. Mais qui connaît ça? Avant qu'on ait un raisonnement. Avant que tu ne consommes. Le Seigneur savait. Mais pourquoi le permet? Mais pourquoi le Seigneur le permet dans ta vie? Mais tu ne peux pas donner sommeil à l'Israël. Mais c'est pour quitter pour là, dans la caméra, comment bien aimé. David a mis Timantou par derrière, par devant. Son Simaka, la Limousson, paix la Sima. A remis les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Il dit Limousson, les amis, l'unité. A remis la Mokima, où frirais-je dans ta face? Parce que partout, il y a un monde. Parce que toi, tu vois partout, Seigneur. Il faut savoir quel chef tu as. Et Seigneur, il va vous continuer, il t'a mis. Il n'est pas comme les hommes de la terre. À ça, pourquoi la nature m'a mené terre? Il connaît tout. Aïe, tout, ni on s'en. Et donc, on théorise. Il n'y a rien qui ne manque. Les intentions, les projets cachés. Donc, de ma moi, pour y avoir un peu de. Mais ce qui est maintenant programme, nous a iniquité. Mais si tes programmes ou tes pensées ne sont pas. Mais il faut se demander à Dieu pourquoi tu as ta part. Il faut se demander à Dieu pourquoi seulement moi. Quand on a un tout soudain. Il ne faut pas regarder une autre personne. Et pourquoi? Et toi-même, pose-toi la question pourquoi seulement moi. On a une vie à concubinage. On a fait ça pour moi et ma femme. Pourquoi nous n'avons pas été dans une zone où on est au côté? Pourquoi moi-même quand on prêche, je suis au côté? Et ce qui est le but de la moutouna? Pourquoi ma zone est à titre et au. Pourquoi on prêche à ma zone? Mais nous n'avons pas été dans un programme où nous allons voir. Pourquoi après le but de chez un programme d'aller forniquer? Mais il faut mettre le pour. Pour la limite. Parce que les gens vont aider. Parce que le Seigneur me connaît. Pourquoi ça dit que nous la sensibilité à la parole? Pourquoi il a fait que je puisse être insensible à la parole et que je puisse me répandre? Mais il faut se demander. Et c'est que le mitou n'a pas tout là. L'invitation du groupe, ça y est, qui vient. Je ne sais pas si cela va te procurer la paix. Mais nous sommes que la vague au titre dans le péché. Et tu te réjouis de demeurer toujours dans la vie du péché. Non, il faut se répandre. Et c'est que le tombeau carabou. Oye, baké. Éphésiens 1, verset 12 dit. Éphésiens 1, verset 12 dit. Zambé à quel âge du second pour servir à la louange de sa gloire. Le Seigneur nous a créé en fait qu'on serve à la louange de sa gloire. C'est ça, Éphésiens 1, verset 12. Servir à la louange de sa gloire. Donc, tout ça, la bâtie, on va s'ouvrir ça le cours. On va lire le verset 11. Donc, c'est qu'il faut vivre. Il faut que ta vie, ton corps, ton esprit, mon livre, mon âme. Ma pensée n'a eu. Ma dépensée. Et ça là, saint. Soit saint. Oblique la sanctification. Et tu vives la sanctification. Aux autres là, pensez au bien. Dans le même temps, tu es dans le sommeil, il faut penser. Attends, on a eu un moment la chambre. Même si tu es seul dans la chambre. Pensez au bien. T'as vu ceux qui sont là. Les hommes qui couchent n'a eu dans le lali. Et ça, vous en avez pensé à saluer, saluer. Ce n'est pas que lorsque tu es dans le sommeil que tu conçois des mauvaises pensées. Il faut que tout le monde aussi, tant qu'on a la vie, dans le monde, on va pas. Même
Tu vas te poser cette question, bien-aimé. Et cela va te pousser à pleurer, implorer le Seigneur. Notre personne peut-être là pendant la nuit. Et cherche vraiment des méga pour suivre la pornographie. Il faut se demander pourquoi il faut te poser la question pourquoi d'autres sont en paix et ne suivent pas ces choses. Donc voilà ma première enfant non adulé. Comment les animaux n'ont pas talenté. On a mis l'âge de ceux qui l'ont regardé. Avant dit qu'ils n'avaient pas agréé. Il a vu que Jésus-Christ aussi a agréé l'enfant des adultes. Donc c'est seulement pour les adultes. Donc ça n'avait pas agréé. Donc le Seigneur aussi a agréé cet âge. Regarde comment un homme te trompe pour te faire entrer dans les cieux. Pour le mieux, ça va dire. Tu dis vraiment, c'est pour les adultes, il y a la colonne de la table. Zéla résultat, hein, bon. Il faut t'attendre à ce qu'on s'en fasse. Dépenser et vous allez sanctifier tes. En tant que signalé pour vous, il s'en va t'être. Pour ça, la moitié, d'ailleurs. Tu as ta femme. Et ça, t'es content là comme une tatale à la cible. Je n'ai pas là en train de regarder la nudité des autres. Eh oui. Ce qui vient de lui parler pour agréer mon achat. Les enfants les agréer, est-ce que cela veut dire que Dieu aussi les agréer? Et tu penses que c'est comme ça? Parce que nous sommes convenus? Non. Nous sommes là que nous deux. Donc pour agréer. Donc vous là, il ne va pas être. Donc ça me fait à Nicolas, on dit, c'est bon. Et le Seigneur aussi t'a laissé agréer. Donc tu penses comme ça? Aux autres qui s'en est comme ça? C'est ce qui passe. Il y a beaucoup d'autres qui s'en. Dieu ne t'autorise pas, il y a comment encore pour nous maintenant. Le Seigneur ne t'autorise pas à voir l'humilité. Ces gens qui les font là sont des satanistes. Ce sont des satanistes qui enrôlent les esprits des gens sur cette terre. Parce qu'on enlève l'esprit à ma douce. Ce sont des satanistes. Et ça, qui ne peut bloquer quand même ma vie à ma douce. Ce sont des choses qui bloquent les vies des gens même à la maison. Élevez le Seigneur. Tombola colo. Pierre n'a pas dit jugez en vous-même. Bon, mon bota, est-ce que c'est que tout ça va tout le temps? On nous obéit aux hommes plutôt qu'à Dieu. Au Canada, ils avaient le médecin dans le royaume. Au mon cas, c'est le médecin qui avait dit. Donc, il y a aussi le médecin de l'économie maintenant. À agréer des dîmes. Tu penses que comme le médecin avait dit, il n'a jamais fait un dîner en gros. Rien n'est possible dans ces écoles. Comment compter? On y a besoin de travailler dans le temps pour ensemble. Ce que tu cherches, tu vas le chercher auprès de Dieu. Dieu va te donner la solution. Ça va accomplir ça, il y en a. Médecin pourrait dire non. Le médecin pourrait te dire une chose. Mais quand tu regardes à Dieu, mais si tu regardes vers lui, ça n'est pas. Et le Seigneur aussi peut te dire quoi faire. Pourquoi ton autre intellectualisme? Ils ont un point à l'icône qui est Dieu. Et pourquoi nous plaçons la science au-dessus du Seigneur? Et c'est pourquoi tu verras que la puissance de Dieu vous aura vraiment manifesté. Et c'est pourquoi vous verrez une faible manifestation de la puissance. Ce sont ces négligences-là, nous avons négligé la parole. Donc c'est la négligence de la parole dans les chefs des gens. Considérons la parole. Et pour dominer vraiment ma belle Zikatoza. Et dominant vraiment la terre où nous nous retrouvons. Et tant que ça va vraiment que tout lien qui foulera les plantes de ton pied a pécié. Et si la nuit sur la table et la réunion, la pécié, tant que ça va. Et tant que ça va. Et c'est là qu'il s'est manifesté ainsi. Et tout dominer au bateau, au camamanamo facilement. Que tu domines les choses auxquelles les gens s'attachent facilement. Ce que je dis, ils ont beau et souvent, manquant à l'humain dans les souillures. Et ce que je dis, c'est pour aider à chacun de nous de sortir des souillures. Le Seigneur nous a appelé à la sanctification. Vous avez appelé qui lui sonne la gourou, ça. Que Dieu bénisse. Amen. Ton temps qui texte, la mission par la grâce de Dieu. Nous lisons notre texte par la grâce du Seigneur. Dans ta vie, il faut prier par Mingi. Tu dois savoir compter sur le Seigneur dans ta vie. On a le verset 21. J'ai lu le verset 20.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui c'est une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Nous restons toujours debout. Oui, nous temps d'abord. Oui, en ce temps d'abord, bien aimé. Oko tabisan zambé usinga ayonkolanzamandengi tuutikoloba. Tu vas parler, montrer à Dieu ta requête selon que nous venons de dire. Oko lobe lanzambé maloba yamotema ayon. Tu vas dire à Dieu les paroles de ton cœur. Il faut qu'on croie. Tu dois croire, bien aimé, que Jésus Christ a le bâti. Jésus-Christ a tellement qui était maillé, nous ce qu'on dit. C'est donc nous ce qu'on gagne. Et tout ce qui te retient, Jésus a résolu qui ces problèmes. Jésus a fait ça qui est à mon encapou. Alors qui est impudicité. Il avait vaincu l'impudicité. Par masturbation. On dit c'est fait ça. Donc vignons ce crédibilité. On voit nous ce qu'on te met. Toute nature, oh les amis. Dignité à Bananazambé. Toute nature indigne dans la vie. Le Seigneur l'a vécu. Ça fait un long bâtiment. On consomme les Bananazambé. Tu vas prier à Dieu. On remet ça dans avec le Seigneur que ma vie est à la bonne. Oh Seigneur, que ma vie soit à toi. Tout mon être est à la bonne. Que tout mon être t'appartient. Naïen à ma belle pour la souka na zanga. L'inéto. Je ne suis pas venu sur cette terre en fait à la fin. Naïen pour la beauté. Je ne suis pas venu pour cela. Naïen à ma belle. Dieu grâce, la voix s'est manifestée, mon Dieu, me voir.
pardonnez-y à ma soeur. Et pardonnez-y à mon frère. Et si ta nuance à Zani est là, des épicités. N'a sentiment charnel que tu comprends. Il y a moins éthique à son esprit. Éthique à sa conscience. Oh Dieu, accepte sa prière. L'homme a un dans ensemble. Oh, grand Dieu, oh cher, tu es notre tout. Aux alliances au point la vie sans âme. Aux alliances au point la vie sans colonne. Tu es notre tout, Seigneur. Aux alliances au point la vie sans nos chefs. Mais notre lumière à vous. Tellement Zambé dans mon monde, il m'a l'air. Toi, oh Dieu, mon Dieu. Boundant Zambé dans mon monde, ma père, les amis, nous combattons les mines à l'air. Et combattons contre tous les esprits. Assis pour la main. Seigneur, que soit l'air. Et dominez mon commandement. Règne jamais rocher. Règne jamais puissant. Règne jamais les dépasses. Règne jamais les dieux de paix. Aux amis, Zabel à vos morts. Aux amis, il sait quoi la zone aux Zabel à Biallo. Oui, ma cocou, maman, la yon. Sache le bon cœur. Oui, ma cocou, la maman. Le Dieu est grâce. Mon appui à moi. Au Seigneur des âmes. À Zara délivré. Que mon frère soit délivré. À Kamorama. Qu'il soit délivré. Obéissance aux paroles et contre la Katina. La soumission et la vérité. La vie de la parole. La voie est taille sa mansarde. La haine du mal. Et s'installer en Katiané. Que s'installe dans la vie de mon frère. La joie de tes servir. Et c'est pour la poussa de Dieu. Et je les cita. Puisse prendre place. La compagne Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On est béni Jésus-Christ dans la boca. La flamme de Jésus-Christ. Si elle est Dieu grâce. Tu es le Dieu de Pélévoir. Tu es le Dieu puissant. Mon nom qui m'en est, les amis, en diable. Et va vainqueur le Dieu qui est aux amis. Pour maman, à Jésus-Christ. Sois glorifié Jésus-Christ. Le Seigneur a dit ce qui la femme adultère. Le Seigneur avait dit à la femme adultère. Moi non plus, je ne te connais pas. Dans l'IP, dans son cas, tu avais tout nous t'aider. Mais va, ne pêche plus. Parce qu'il est au sous, nous allons sous terre. La manière dont tu as prié, ce qu'on a mis que place aux amis au Kenya, qui au coin selon la mabé, si tu sais que là où tu t'es rendu était une occasion de chute pour toi, alors pas que ceux qui nous bouclent la maison occasion de chute pour un cadavre. Mais d'ici ta main, c'est une occasion de chute pour toi, coupe là. Donc il est pas comme il bat là. Sache comment te préserver. Tu connais le milieu où tu te retrouves, que c'est un milieu qui n'est pas bon. Je m'adresse à tout le monde. Et surtout, je m'adresse aux trafiquants. Ceux qui travaillent dans les carrières de diamants ou de l'or. Sache que toute chose passera. Et donc, ils allaient mon aimé, ils allaient. La vie de Dieu, la crainte de Dieu. Et ce qui est grand, les animaux vont y attraper au bas de la table. Donc, tant qu'on est dans la ville, et lorsque tu es par exemple dans la ville, parce que tant qu'il y a un mingi au milieu des frères ayant le Saint-Esprit, il faut plus passer ton temps au milieu des frères qui ont le Saint-Esprit. Mais mingi, parfois, les animaux n'ont pas d'âme. Mais beaucoup plus tu es avec le païen, le gens du monde. On va récolter mingi. Qu'est-ce que tu vas récolter à la fin? Si vous récoltez qu'un picobo, et tu ne vas récolter que les impulsités. Vous récoltez qu'un la musique à mon kilo, comme ça, c'est normal. C'est pas la musique du monde que tu vas rendre normal. Ma discussion sur ma kilo. Tu auras des discussions sur les gens de ce monde. Ma sataniste. Les satanistes. Et beaucoup meilleur normal. Et ces choses deviendront normales pour le cas aux alliés, le cas aux attentes, aux oeufs, aux femmes dans l'église. Si tu es dans la prière, tu prends le temps de venir vers l'église dans le prière. Aux autres, quand on est au bazar, on vient parole. Aux autres, ça n'a pas. Et cherche aussi à être ensemble avec ceux qui ont la vie et la parole. Il y a un temps, dans la vie, nous avons un petit temps sur la terre. Après, on connaît. Après, tu passeras. Dans le temps, on t'en couvre.
Lorsque un homme et tu ne penses pas que là aussi on t'appellera mon pao. Non. Là-bas, le Seigneur t'attendra. Et personne ne viendra te soutenir là. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Oui, tu dis que les animaux. Tomber mami, en réalité, te comprendre. Ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. En réalité, nous sommes appelés à comprendre ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, dans le livre de d'abord, sœur, pour l'attaque à Foulan Ponani. Premièrement, je me poser la question pourquoi ma sœur, tu portes le foulard. Il faut avoir un argument. Il faut avoir l'argument. C'est très important. Et cela est très important. Moi, d'abord, je ne sais pas qu'il y a quelques minutes, ok, avant la côte de la. J'étais touché à parler quelques minutes avant d'entrer dans notre terre. Vous prenez aujourd'hui 1 Corinthiens 11. Voyez, si vous prenez 1 Corinthiens 11. L'écriture est venue pour l'écriture dit ceci. Le verset 7. Le verset 7. J'ai le nom de Jésus. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Mon bail est sécurité à ce pas pour tout le monde. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Oui, t'as dit, et l'équipe qui est moi en tant que mère. Tandis que la femme, qu'à moi-ci, est la gloire de l'homme. Azali, qui est modé à mon bal. Là, c'est le verset 7. Là, c'est le verset 7. Il faut même passer pour son ami Awa. Tu vas savoir, lorsque nous nous rassemblons ici, les cultes, dans le culte, ils en rapportent la gloire de Dieu. Et t'as la gloire pour à l'honneur de Dieu. Les cultes, c'est pour la gloire de Dieu. Le sang des animaux n'a qu'un mot à t'appeler. Maintenant, l'écriture le dit. Maintenant, l'écriture dit. Moi, si y a un peu la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. L'homme a sali pour la gloire de Dieu. Et l'homme est la gloire et l'image de Dieu. Culte le pour les enfants pour la gloire de Dieu. Et comme le culte est à la gloire de Dieu, il est le pour la gloire de Dieu à cause de pas mon tête. Et comme l'homme est la gloire de Dieu, il ne peut pas couvrir la tête. Ce qui met une église, si par exemple dans l'église, moi si azipi mon tout est, mon balipé azipi mon tout est, si les hommes et les femmes ne couvrent pas leur tête, assemblons les uns à deux gloires. Et cet ensemble-là a deux gloires. Gloire de l'homme, il y a la gloire de l'homme, la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu de l'autre part. Ange va recevoir la gloire. Les anges ne se réjouiront pas de cet ensemble-là. Donc il faut la femme, et c'est qu'elle est de moi si. Azoa, Azipa, Soukinae, puisse couvrir sa chevelure, Oisaï de Moya Gloire, qui est le signe de la gloire, Azipi, Oisaï dit que Azipi, gloire de l'homme, qui la couvre et cela représente la couverture de la gloire de l'homme, Atiki, gloire de Dieu, et régner dans l'assemblée. Il laisse la gloire de Dieu régner dans l'assemblée. Alors il faut n'ayant pas eu ma boue. Maintenant il faut que tu saches ceci bien. Que tant que Paul a sauté à Milo Koko Yonion. Lorsque Paul prêchait toutes ces choses là-bas, Azaraki n'a rouleau. Il avait le rouleau du prophète. Azaraki pourtant dans mon livre d'Esaïe, Jérémie, ma Moïse. Et Paul regardait dans le livre d'Esaïe, Jérémie, Moïse. En fait qu'il puisse prêcher ces choses bien. Donc toute l'église oyoyo, basi par la suite, toute église où les femmes ne se voient pas la tête, Dieu a zaté. Le Seigneur n'est pas dans cette église là. Ata omoni bazoyemba. Même si tu les vois chanter, basi sans ouvrir leur tête, elles toutes. Loko la banade joana bazou. Par exemple. Posséder Nadège. Donc, posséder Nadège. Moi, c'est Amoury Mabé, Nadège. Donc, soyez ma. Elle chante. Vous chantez vraiment la voix. Gloire à Zambé. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans cette assemblée. Vous avez la somme à la vie pour la soirée. Il ne faut pas craindre toutes ces choses à bien. Comment vous avez commis ça, mon tout plus que l'écriture? Alors, comment tu vas faire de mortel plus que l'écriture? Simba l'écriture, saisis l'écriture de Dieu. Il y a mon ego bâti. Et c'est ce qui va te garder. Ces écritures, ma commune, et pour rendre sage. Donc va te rendre sage. C'est très important. Les animaux de Dieu. Oh, le bazo respecté.
enseignement Dieu n'est pas là. Ceux qui ne respectent pas l'enseignement, Dieu n'est pas non plus parmi eux. Et on vous remarque que dans 1 Corinthiens 11, vous avez remarqué dans 1 Corinthiens 11, Paul a répondu. Paul répond. Alors, il a verset 14. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est-il honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais c'est-il gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. L'opole est là-bas. Donc, Esaïe n'a passé. Il y a le passé. Lui a été. Et puis ça m'est là. Esaïe a été à ma Corinthien. Ce n'est pas en ce temps-là pendant qu'il prêchait le Père de Corinthiens. Donc, il faut d'abord dire qu'à texte, il y a un Corinthien. Tu vas d'abord laisser le texte de 1 Corinthiens 11. A été donné. Et puis ça m'est là. Au Manozonga. Tu commences à été à reculer dans les écritures. A été. Et ça m'est là. Autant de l'amour l'église. Il ne faut pas voir cela dans l'église de Dieu. A été. Et puis ça m'est là. Maintenant tu commences à rentrer dans les prophètes. Maintenant tu recherches A été. Donné. Arrêtez que les personnes liées. On n'a pas dit que cela lui a été donné aujourd'hui. Pourquoi les gens lisent mal? Et donc, Etiami, en français, on ne va pas jouer à Canada, la chose est mise dans le français qu'ils réussissent à l'école. Parce que quand moi, je parfois un professeur en français, chaque fois le professeur de français est surpris par son intelligence. Mais tout ça va pour expliquer. Mais il ne parvient pas à expliquer les écritures. Donc il faut au Lukayango. Maintenant tu dois le chercher. Lui a été donné comme voile. Il peut s'appeler Yokole Lamba. Nani Pesakai. Qui lui a dit Chevelio. Cette chevelure. Nzambeka. C'est Dieu lui-même dans la création. Tu suis attentivement. Nzambe da Pesa. C'est Dieu qui lui a Pesa Yesu qui va dans la création. Le Seigneur lui avait donné dans la création. Apesa voile wana kakasuki te. Donc ce voile-là n'était pas seulement la chevelure. Tabatia am makati amoto. Lorsqu'il avait mis l'âme dans l'homme. Et nous le manzoto aussi la voile et âme. C'est la parole. Comme la chair aussi, c'est le voile ou le vêtement de l'âme. Vous voyez que ça m'a mis. Personnellement, l'écriture n'a pas dit. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 20. Il faut te yaka no manabo pete. Ça ne dit que vous bunda. Tu vas prêcher la parole à la facilité et non comme si c'était un combat. Hébreux 10, verset 21. Hébreux 10, verset 20. L'écriture est le dévoué. L'écriture dit ceci. Par la route, nous lisons le Jésus-Christ. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous. Au travers du voile. Maintenant, je vais expliquer le voile. C'est-à-dire, il dit que l'on a des sachets. Et là-bas, on a des soumis à l'Église. Donc, voile les agas quittés. Donc, le voile n'est pas seulement les cheveux. Dans tout le sein, on a. Et même la chair que toi, ma soeur, tu as. Les agas. Voile. Ils ont tapé la main. Mais tout le monde n'a pas mis mon imaka, mon takate. Maintenant, pose la question à ces gens, pourquoi vous ne paraissez pas nus devant les gens? Pour les gens qui s'en voient. Parce que les gens, la chair, c'est le voile, c'est le vêtement. Est-ce que vous me suivez attentivement? Hein? Pour la tirer en bas. Mais tu t'habilles. Tant qu'on a tiré en bas, il faut le bapéki. Aussi, puis voir la belle chair. Donc, cela veut dire aussi tu as couvert le voile. Qui est la chair de notre voile. Mais tant mon père aussi pistouki. Mais lorsque tu couvres aussi ta chevelure, il faut y voir aussi que tu dois savoir de aussi puis voile. Oh, ils ont dit gloire de l'homme. Tu as couvert notre voile qui est la gloire de l'homme. Il y a beaucoup de monde
C'est pourquoi tu vas remarquer dans les Écritures. J'ai dit bien que Paul, les choses qu'il prêchait, Acte chapitre 26. Il avait déjà dit dans Acte 26, verset 22. Le verset 22. Azaï Kotea Makambo sans s'écarter dans la loi et les prophètes Balobaki. Il prêchait les choses sans s'écarter de la loi de Moïse et les prophètes avec les carrés de l'évangile. Si tu entends Paul prêcher, vérifie en moi l'écriture. Il faut vérifier cela dans les Écritures des prophètes. Avozwa makambowana wapi? Où est-ce que Paul prenait ces choses? Le Seigneur a béni Israël, moi Sinaï. Le Seigneur a appelé Israël et sa femme. Par a béni Israël, moi Sinaï. Lorsqu'il appela Israël comme sa femme, dans Ésaïe 54, dans Ésaïe 54, dans verset 5, au verset 5, et j'ai dit au nom de Jésus. Amen. A béni Israël, moi Sinaï. Il a appelé Israël sa femme. 54, verset 5. Isaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Oui, t'es mon Kérinayor, Zali Mobadinaï. L'Éternel des armées est son nom. Yahweh a dit de l'aider comme on a dit. Et ton Rédempteur. Et mon Sikolinayor. Et le Saint d'Israël. Les amis au centre de l'Israël. Il s'est nom. Zali Kodibéba. Dieu de toute la terre. Zamé Yamabele Mobimba. Israël, moi Sinaï. Il appelait Israël sa femme. Donc, le roi moi Sinaï. Donc, Israël est sa femme. Il faut que mon aussi lui a été donné. Nous devons aussi voir la gloire qui lui a été donnée. Tosoya comme mon nous venons le voir. Jour Salomon. Le jour Salomon. A toqué temple. Il a bâti le temple. Et le Seigneur a fait ça Israël chevelure. Le Seigneur est venu donner la chevelure à Israël. La gloire de Dieu était pour Israël. Quel moyen ça peut quitter qui n'a pas pu. Cette gloire est descendue. Lorsque cette gloire est descendue, c'est la chevelure qui est qu'il a donné à sa femme. Les amis, sous que a péché moi Sinaï. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chevelure, voilà, et remplissant qui les temples. Et cette chevelure avait rempli les temples. Temple Zalit voile. Et le temple, c'est le voile de la mort. Donc, il a dit chevelure. Il a mis la chevelure. Mais à voiler. Mais le Seigneur l'a voilé du temple. Mais à moi si. Mais le peuple est une femme. Maintenant, ce qui Israël a désobéi. Maintenant, si Israël désobéit. Alléluia, ça là que Israël a compté dans le somme et qu'il doit aussi puisse entrer dans la honte ou l'opprobre parce qu'il a désobéi. Il faut appeler sa prophétie. Il doit prophétiser. Pour avoir un paquet. Pour. Ésaïe 3. Ésaïe chapitre 3. Alléluia. Il dit ceci. La verset 16. Verset 16. Israël a fait dit comme Israël est désobéissant. Maintenant le verset 17. Le verset 17. Ésaïe 3. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Donc, ici, il y a plusieurs filles. Des filles. De Sion. Il y a Sion. Mais une seule tête. Qui n'a qu'une seule tête. Qui a la chevelure. Oui, ça vient sous. Aux autres, hein? Tu suis attentivement. Au son que Dieu a naturel, Moïse a dit, on va bien là qui signe. Dans ton cœur. Moi, je suis un bon voilà. Bah, je vais bien, ma côté, je vais bien, tout le monde. Alors, c'est ce qu'on appelle les siamoises. Aux autres, hein? Amen. Écriture. C'est écriture. En ces jours-là, le Seigneur ôtera. Dans une des Seigneurs, en la chauve. Les sommets de la tête des filles et Sion. Paul a mis ce qui va tout citer. S'il n'obéissait pas, mais à Kataka Souki. Il va raser la chevelure d'Israël. Il y a un mot Paul à l'Obaki. C'est pourquoi Paul avait dit. Au Kataka Souki pour la femme, mais à ta honte. C'est honte. C'est raser les cheveux pour une femme, mais à une sonne. Tu suis attentivement? Oui! Gloire et ensemble et tombe dans la paix. La gloire de Dieu élève aussi un homme. Ce qui s'en va dans la gloire, si le Seigneur enlève ça, c'est-à-dire que tu entres dans le propre.
Amen. Si le Seigneur ôte sa gloire, Israël entre dans la honte. Yamone Paul a remarqué que c'est une honte pour la femme d'avoir ma chevelure rasée. Les amis sont du bon avoir si à coco la moutou n'a pas la suite. Azos vraiment comme un exemple, le Seigneur a la salade sur Israël a tossité à quatre à Yesu qui va contre la moussou. Et Paul le prend en exemple comment est-ce que le Seigneur rasait la chevelure d'Israël pour qu'il entre dans la honte. Et dans quoi quatre Yesu qui en réalité n'y colombaque a tiqué Boulumbu. Lorsqu'il lui rase la tête, en réalité, cela veut dire qu'il a découvert la vérité d'Israël. Il y a vraiment le verset 8 de Lamentation Pénée. C'est pourquoi le verset 8 de Lamentation Pénée. Jérusalem a multiplié ses péchés. Jérusalem a foulé qui s'y m'a soumis. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Il y a quoi dans un lieu local et à quel est. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. Envoya sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. Alors que le Seigneur a fait qu'Israël aille en captivité. Les années des Zambes à l'homme chevelier. Par exemple, c'est comme le Seigneur qui ôte sa chevelure. Attends, ça va y avoir Ézéchiel 10. Le Seigneur le montre dans Ézéchiel 10. On montre la gloire de Dieu. Et ce du matin. Qui quitte le temple. Et ce du matin. Qui sort du temple. Et maintient pour la chérie. Porté par le chérubin. Qui est qui. Et juste à ce que cette gloire s'en était allée. Ésaïe accomplissement Ésaïe 3. C'était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 3. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe l'avait prophétisé. Que les âmes avocats t'a mis nos sous qui est. Le Seigneur vous rendra chaud de vous, les filles de Sion. Ceux qui ont des âmes, quel mourir. Et cette chevelure, c'est la gloire de Dieu. Et gloire de Dieu, on les a pour les âmes. Et cette gloire de Dieu, c'est pour lui-même, le Seigneur. Je pense que vous comprenez quand même très bien. Nous avons un terme simple. Je pense que vous le comprenez très bien. Je le prends en terme simple. Voilà, tout le temps, il s'en allait que Paul a l'opin dit que c'est une honte pour la femme à raser ce qui n'a. Et ça dit, son niveau la moi, c'est à quoi pour la montée n'a. Oui. Parce que quand nous avons encore rasé ce qui est Israël, les avons ça sauve. Parce que quand le Seigneur rasait les cheveux d'Israël, c'était une honte pour eux. Mais la gloire de Dieu. Maintenant la gloire de Dieu. Oh, et Zara qui est dans le temple. Qui était dans le temple. On trouve sous sa famille à lui. Une autre personne est en train de dire. Mèche, vous avez exception mèche. Vous nous interdisez des mèches. Vous appuyez sa mèche. Vous l'écriture de l'interdiction des mèches. Ils ont des difficultés, on t'en sort, on va bien retourner au verset diable. Mais moi, si je te demanderais, où est le verset des chambres? Ben, quand même, la faiblesse, non, la roupée, c'est une mise en base au moment. Quand même, dans ta faiblesse, je te donnerai les écritures. Un exemple. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Zacharie 14. Vous prenez Zacharie chapitre 14. Ils ont annoncé ma guerre et comme ça, elle m'en a suite en temps. Et Zacharie annonce les guerres de la suite des temps. Mais ils ont eu aussi dans l'Armageddon. Et Zacharie parle aussi de la bataille d'Armageddon. Mais bataille d'Armageddon, tant que le prophète a prophétisé. Lorsque le prophète prophétise sur la bataille d'Armageddon, Amona a vianté. Il n'avait pas vu les avions de guerre. Amona a charté. Il n'avait pas vu les chars de combat. Mamoni a chameau. Mais il a vu les chameaux. N'a pas cheval. Bakunda pe bambala dans Zacharie 14. Dans Zacharie 14. Vous en avez un. Amen. Mais science d'aujourd'hui. Mais dans la science, dans cette amour. Un combat est venu dans ma char. Les combats se mènent avec les chars et les avions. Ah, l'avion. Avec les avions liés. Quand ils sont menés par le prophète dans Zacharie 14. Maintenant, je vais les faire entrer dans les livres des prophètes si les prophètes en avaient pas. Zacharie 14, on a dit pour les combats ou en tant que vos ans. Zacharie 14 a parlé de ces combats. Verset 13. Le verset 13. Zacharie 14. En ces jours-là, mon colorado, l'éternel produira un grand trouble parmi eux. Yahweh a contient comme un boulot ma casse, il a dit pas de ma bambou. Parce que Nathan Kali quand on monté il m'a envoyé un groupe de prière. Parce que j'avais vu une affiche d'un prédicateur du groupe de prière. Bâtier Yesu Yahyuana Nicolas. Un danger qu'il connaît là. Allez, ma armée à balancer aux obéis sur Anastasie. Maintenant, les armées des nations sont en train de tirer le Seigneur du monde. Le combat éternel n'a pas nassi. Le combat de l'éternel contre les rois de la terre. Donc, bâtir affiche. On a mis l'affiche. Seigneur vient avec les chevaux.
Maintenant, les nations réunies en train de tirer le Seigneur. S'il veut ainsi, il ne verra pas le Seigneur en sécurité. Lorsqu'on dit que le Seigneur comment est-ce que nous dix. Même si les ennemis sont au et qui se liguent pour combattre Israël. Lorsqu'ils viennent combattre Israël, maintenant le Seigneur va produire un trouble entre eux. Celui-ci commence à frapper. Et l'autre, celui-ci commence à s'entraîner. C'est ce qu'on dit, Kora, ça dit qu'on voulait la liberté. Amen. C'est là que nous parlons que le Seigneur lui-même vient. Petit à petit. Et lui-même commence à taper. Non. Et vous avez la nation parce qu'Anani ne va combattre Israël, mais on va se tourner entre elle et canaux. Et ce sera les nations réunies pour attaquer Israël, mais commencera à s'entrer Dieu. Et ça les rappelle déjà la Bible. Et cela s'est déjà fait aussi dans les Écritures. Ils ont fait une alliance pour attaquer Jérusalem. Dans le livre des Chroniques 20. Mais arrivé là-bas, ils ont commencé à se battre entre eux. Aziel a dit à MC Israël. Et Jézabel a dit à Israël. Vous se présentez seulement. Présentez-vous seulement au combat et l'Éternel combattra pour vous. Il y a pas sorte à combat. Écoute maintenant la solution. Vous tiens ma chante en premier. Mais il faut mettre les chants au premier lieu en avant. Avec des cymbales. Donc, pour aller combattre les nations qui ont des armes. Vous voyez cette sorte de combat. Donc, Israël ne faisait que louer le Seigneur. Le Seigneur produisait des troubles parmi les nations. C'est ce qu'on dit, Yahweh, ça dit au Bunda. Lorsqu'on dit qu'il va monter sur son cheval, et là, cheval à bébé. Ce n'est pas le cheval naturel blanc. Ce cheval, on les a tout un peuple. Ce cheval-là, c'est tout un peuple, bien-aimé. C'est Zacharie 10, verset 3. C'est dans Zacharie 10, avant la 13. Avant de lire le chapitre 13. Nazi, Zacharie 10, verset 3. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visitera ses troupeaux la maison de Juda. Et il la fera comme son cheval. Yahweh a contiendu un mouru à mon nez et dans cette salle. Vous voyez, c'est ça la bataille d'Armageddon. Où est-ce que l'Apocalypse 19? Il se retrouve là-bas dans l'Apocalypse 19. À partir du verset 11, dit le verset 19. À partir du verset 11 jusqu'au verset 19. L'un saisira la main de l'autre. Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Et c'est ça la sorte des combats. Et ce qu'on cueille dans le verset 15, le verset 15. La plaie frappera de même les chevaux. Les mulets, les chameaux, les ânes. Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Lorsque les ennemis viendront dans ces combats, ils vont monter sur les chameaux. Ils monteront sur les chevaux. Et ils monteront sur les mulets.
Aujourd'hui, les nations font la guerre avec les charbons. Mais quand aujourd'hui, quand la vaisseau. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les charbons, c'est bien dans sa char. Aujourd'hui, ce verset fait ressortir les charbons. Les hommes, ça va bien de guerre. Et les avions de guerre. On va puissante nation à cause de ça. Et les puissantes nations vont utiliser pour la guerre. Je pense que vous en avez malade. Je pense que vous me saisissez. Donc, il faut voyez là vous comprendre les prophéties très bien. Tu dois bien savoir comprendre la prophétie. Il y a un moment, non? C'est pourquoi tu vas voir. Dieu a mis sa chevelure n'est pas moi Sinaï. Ça veut dire sous qui n'avait pas moi Sinaï. Qui est sa gloire? Sous que Zanikem Bonaï. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il dans Ézéchiel 8? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 8? T'as la place aux autres à mèche. Maintenant, regarde là où nous faisons ressortir le mèche. Ils étaient aussi en captivité. Sur le temps qu'il Jérémie 29, verset 1. En lisant Jérémie 29, verset 1. Ils étaient rendus à Babylone en captivité. En cas, dans cette servitude, la captivité, c'était le camp des réfugiés. Ma famille ensemble, Israël était resté loin. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il était assis avec les anciens. La main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Le boko yankolo Yahweh et Zalaki Konaba. J'ai regardé et voici. Pétala. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Zalaki Lokola Yamoto. Si tu continues, dans quel verset 3? Le verset 3. Il étendit une forme de main. Et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et me transporta dans les visions divines à Jérusalem. Donc, Azaraki à Babylone. Il était là à Babylone. Ma famille, ma monion. Assis ensemble avec les anciens. Dans le camp des réfugiés. Ils étaient là en train de s'entraîner. Et ma continue. Et lui directement, il entre dans les visions. Il voit le Seigneur revivre. Il les prend par les cheveux. Mais il est resté là dans la chair. Ma famille à Babylone. Avec tout le monde. Mais si à Kéin Zambé à Jérusalem. Porté avec Dieu dans Jérusalem. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu m'a, il me transporta dans mes visions divines. À Jérusalem. À Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure. Du côté du septentrion. Où était l'idole de la jalousie. Qui excite la jalousie de Dieu. Donc ça va mené par l'esprit. Donc le Seigneur l'a transporté en esprit. À quel Jérusalem? Et il l'a amené à Jérusalem. Mais Charlemagne était là à Babylone. Le Seigneur lui montrait ce qui s'est passé dans les temples, c'est là qu'il y avait la chevelure. Tu vas comprendre les mèches dans ces écritures. Il me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte de impériale du côté septentrional, où était l'idole de la jalousie.
qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là. On dit qu'il y avait d'abord la chevelure de Dieu. Mais papa dit c'est encore gloire pour nous. Mais on a donné encore une autre gloire qui est le faux Dieu, l'idole. Tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Voilà, partout, par exemple, à Jérusalem, dans le temple, par exemple, on a Ézéchiel. Là, les gens qui étaient dans le temple à Jérusalem ne voyaient pas Ézéchiel. Ézéchiel, ça m'a amené par l'esprit. Ézéchiel, le Seigneur l'a transmis. Aïe, dans le temple. Il l'a amené dans le temple. Et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes abominations qui commet ici la maison d'Israël. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parti. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la miraille. J'ai percé la miraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, et des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël. Peintes sur la miraille tout autour. 70 ans des enfants de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Jaafan, se tenait devant ses idoles. Chacun l'encensoir à la main. Il se levait une épaisse liée d'encens. Et il les dit, fils de l'homme, vois tout ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Donc, les gens s'en demandaient, comment est-ce que cela s'est passé? Libana devant le peuple. Au dehors devant le peuple. Vous allez remarquer le ministre, les serviteurs. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Celui qui assiste à la rencontre de ma peuple, s'il termine la rencontre avec le peuple. Dans les secrets. Dans Katia. Et chacun des anciens avait son idole. Mais comment est-ce que les choses se passent en ces temps-là? Maintenant, moi et Kekonaï, chacun avait son idole dans les secrets. Dans les temples et dans leurs chambres. Avant ça, la paix en sensoir, il est en train aussi d'offrir de l'encens devant son idole. S'il termine. Maintenant, il parlait devant le peuple. Il commence à lire la loi de Dieu. Et là, on est sur ce que ça demande. Et l'opinion, si ça s'est passé, cela s'était déjà passé. Donc il y a des prédicateurs. Mais lorsqu'il va paraître les il va toucher le rouleau. Et donc c'est ça dans les Écritures. Maintenant, il y a moi
qui l'avait vu? Prophète. Moussa Oli. Ézéchiel. Ézéchiel. Donc, Babylon, on s'en battit à Kiwa. Tout ce qu'ils avaient mis là-bas. Ils ont la joue. Ils ont dit pour Bakisa. Il y a gloire de l'éternel. Par-dessus la gloire de l'éternel. Donc, il y avait Chevéli. Ils ont dit la souki. Mais il y avait aussi la joue des hommes. Pour Bakisa, puis on va te battre Bakisa qui. Oui, ça, la gloire, oui, à Baron et qui faisait la propre gloire comme il les aimait bien. Donc, gloire en Zambé, mais pour la gloire et Coca qui était. Mais la gloire de Dieu n'était pas suffisante. Chevelure, les amis. Il y avait la chevelure. Mais Baron, en même temps, ne place chevelure, les amis. Et dans le même temps, il y avait la chevelure. Baron, quand la place, mon combat, je aussi, Koyo, et pour soutenir Baron. Ils sont allés entrer pour prendre ce qui va le soutenir. Et ils les ont ajoutés sur la gloire de Dieu. Est-ce que vous suivez attentivement? Ça c'est comme des mèches. Oui, ça sous qui au il y a pour la terre. Toutes ces choses que Paul a prises. On les avait prises dans les livres des prophètes. Son côté qui caca. Gloire à Zambé à Moko Chevelure. Si tu laisses la gloire de Dieu seule, cette chevelure, et que Fanny n'a pas ta voile en haut, et que cette chevelure demeure dans son voile, là, et couper sa gloire. Et cela va donner gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur les amène encore. Et que la paix du Seigneur soit le partage des chants. Ce sont des questions que vous allez vous répondre petit à petit. Ce sont des questions que nous répondons petit à petit. Et que nous avons vraiment notre temps d'enseigner. Dans la deuxième question, pour relever vraiment à fond le verset 21. Et lors du deuxième question, nous allons parler à fond. Parce que nous courons toujours le temps. Parce que nous courons toujours derrière le temps. Mais je sais que le Seigneur va nous assister. Et je pense qu'il va vous payer, ça va communiquer par la grâce de Dieu. Et je pense qu'on va aussi donner les communiqués. Nous allons rassembler nos cultes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Donc, il faut qu'il y ait quatre savourer la parole. Nous devons venir et savourer la parole de Dieu. Nous allons vraiment demeurer. Et pour vivre aussi les grandes choses. Et nous croyons que le Seigneur va nous assister. Et nous croyons que le Seigneur saura nous assister. Et le Seigneur va nous ouvrir les portes. Et le Seigneur va nous ouvrir les portes. Et la carte est en Togo Salam Kangou pour le Kumazan. Et dans tout cela, nous allons faire les choses pour la gloire. Donc, quand il y a vraiment, vous allez prier. Et en toi, tu vas être prêt pour ce que nous avons. Ne recule pas de lui. Mon thème en ailleurs est s'attacher à la parole. Et ton cœur s'attache plus à la parole. Oui, paquet. Que tu saches. Mais Dieu que nous servons. Zambé, tu as dit que ça, les gars. Azali est Dieu fidèle. Azali, Zambé, la sève. Et donc, on y en sort au salam, salam, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu pourrais faire, tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Mon Zambé, banda et Jésus. Ne sois pas en dehors de Jésus lorsque tu fais quelque chose. Que Jésus-Christ te bénisse. Jésus-Christ te bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que le Seigneur te bénisse avec les grands et les grâces du bien. Et que le Seigneur t'ouvre les sentiers. Et que tu puisses te rendre vainqueur dans tous les combats. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, nous allons en paix, mon âme. Parce que c'est toi qui es le grand Dieu. Et pardonne à nous, mon continu sous sa terre. Pardonne-toi, il n'y a pas un autre roi. Ngolou, naonde, kambaki, biso, Seigneur. C'est ta grâce qui nous avait conduit. Droite, naïo, puissante. C'est ta droite puissante. Yahweh est bon, à mon corps, à mon corps. Je te préserve chacun de nous, Seigneur. Kinya, naïo, et Zanakat, et la liporta, naïo. Que ta paix puisse être parmi ton peuple. À ton nom Jésus-Christ. Jésus prie. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Et que la paix du Seigneur soit sur toi.